n'y avait pas de projet a priori, sinon que quand j'ai été nommé à Orsay, c'était un peu le début, c'est-à-dire il y avait eu Denis de Lange, ensuite il y avait eu Malgrange et Le Sieur, et puis ensuite c'était moi pour En Mathématiques quelle 2, année? 61. Et à ce moment-là, on avait simplement l'intention de faire quelque chose de bien à Orsay, avec l'idée qu'on était complètement libre. Et bon, il s'est avéré qu'on a su bien utiliser cette liberté. Mais il y a eu effectivement un problème d'orientation. Et ce problème d'orientation s'est posé non pas dans le département de mathématiques d'Orsay, mais dans le département que nous avions en commun, qui était le département de Paris et d'Orsay, dont le président a été éternellement Henri Cartan. Et Henri Cartan a beaucoup veillé sur le développement des mathématiques à Orsay. Donc c'est tout à fait justice que le grand amphi s'appelle amphi Henri Cartan. D'autant qu'il nous a rejoints Oui, en 1969. absolument. Les Parisiens qui nous ont rejoints, c'était Choquet et Cartan. Et Cartan a été très actif et très apprécié quand il a donné ses enseignements Et à Cartan Orsay. s'est intégré ici, qui n'a pas été le cas de Choquet. Oui. Ben, Choquet, il désirait participer au séminaire d'Alain des Harmoniques qui se tenait à ce moment-là le lundi. Et le lundi était le jour de réunion de l'Institut, enfin de l'Académie des sciences. Et donc, il n'était pas présent. Voilà. Mais oui, le département de mathématiques d'Orsay, je suis incapable de vous dire quand il est apparu. Parce que au départ, il y avait le département commun à Paris à Orsay et où nous examinions toutes les affaires ensemble. C'était assez bon. Par exemple, on examinait les thèses ensemble. On examinait les enseignements de troisième cycle ensemble. Les thèses ensemble, ça s'est poursuivi avec la commission des thèses. Absolument, absolument. Alors, ben, ça s'est poursuivi pour Orsay par une commission des thèses qui est même la commission de la faculté et qui n'a aucun caractère officiel, mais comme les choses qui fonctionnent et qui n'ont pas de caractère officiel, ça fonctionne mieux que les choses officielles. Et non, ce qu'il y a eu au départ, c'est assez curieux. C'était un laboratoire de l'université, mais ce n'était pas un laboratoire du CNRS. Et ça, tu peux peut-être raconter l'histoire, comment on a hésité, finalement à cause de la bibliothèque, parce qu'il fallait trouver des moyens à la bibliothèque, il fallait que le CNRS contribue à l'entretien de la bibliothèque. Et on a fait les comptes, et ça nous rapportait plus s'il y avait des équipes que s'il y avait un laboratoire. Alors, le département ici s'est constitué en équipe après 1970, hein, et ça ne correspond pas à un projet scientifique, ça correspond à une nécessité financière. Mais il s'est trouvé que c'était une assez bonne forme d'organisation. Les équipes, en réalité, elles existaient avant, mais pas sous la forme d'équipes associées au CNRS. Hein. Oui, avant de passer aux équipes, j'aimerais creuser un peu les premiers temps du département. Moi, je suis arrivé en 64, donc 3 ans après toi. Et on n'était pas encore très nombreux. Était arrivé entre-temps, je pense, Samuel et Oui. Néron, Oui, Emma Liavin qui avait quitté au bout d'un an. qui n'est pas resté, oui. J'ai encore été élu par le département de Paris-Orsay. Et j'ai assisté à quelques séances qui étaient encore assez
empesé et mandarinal. J'ai trouvé esprit que je n'ai jamais retrouvé ici. Donc je pense qu'il y avait au départ un esprit différent à Orsay. On était tous beaucoup plus jeunes. Hein. Pardon ? On était tous beaucoup plus jeunes. Oui. Ma nomination portait que j'étais affecté au centre d'Orsay. Et alors c'est assez curieux parce que j'ai eu deux sons de cloche, à savoir on m'a dit ah, mais c'est un honneur supplémentaire, comme si les gens d'Orsay écrémaient. Et puis il y a eu aussi l'autre son de cloche amusant qui m'a été rapporté par Bernard Malgrange, à savoir que quelqu'un qui était resté parisien et que je ne nommerai pas, lui a dit à lui, Malgrange, qui était à Orsay, « Quand est-ce que tu te fais nommer à la Sorbonne ?» Alors, ce qui m'a frappé, comme l'a dit Jean-Pierre Kahn tout à l'heure, c'est que vraiment, il y avait un désir de faire quelque chose de nouveau et qui tranche un peu sur la vieille Sorbonne, en particulier pour l'enseignement. Je ne dis pas du tout que pour moi ça n'a eu que des côtés positifs. J'ai été frappé par l'importance comparée qu'on associait et qu'on attribuait à l'enseignement, à l'encadrement par des assistants et au travail régulier en commun entre le professeur et les assistants, ce qui, à mon avis, n'existait pas du tout, mais je peux me tromper, à Paris. En tout cas, quelques années avant, quand j'ai fait fonction d'assistant à Paris pour le cours de Choquet, eh bien, je donnais des sujets de problème en général beaucoup trop difficiles. Je les corrigeais au tableau, et puis c'est tout. Je crois qu'il n'y avait pas de séance d'exercice. Donc j'ai été frappé par cet aspect. Oh, je pense que ça datait des fondateurs. Denis, Delange aussi. Pour Malgrange, il a tout de suite fait TMP, Technique Mathématique de la Physique. Et les physiciens ont suggéré que ça soit en commun avec un physicien, qui était à ce moment-là Nosiger. Le sieur a fait un enseignement de premier cycle et ensuite des enseignements d'algèbre. Et c'était un moment où il y avait une division, il y avait le premier cycle, il y avait maths 1 et maths 2. Moi je suis arrivé au moment de maths 2. Ben, il n'y avait pas d'assistant. Hein. Y en avait qui collaboraient avec, déjà avec Denis, il y en avait aussi avec Malgrange, ben Wendy qui a collaboré avec Malgrange avant d'émigrer aux États-Unis. Mais pour Math 2, je suis arrivé, il n'y avait personne comme assistant. Est-ce que tu as gardé un souvenir du nombre d'étudiants que tu avais ? Oh, ben une trentaine. Et je les connaissais tous, c'est-à-dire je les ai tous reçus. Et puis comme assistant, je vais me plaindre, hein, parce que j'avais fait appel à des normaliens. Bon, Michel Reynaud était l'un d'entre eux. Et bon, Michel Reynaud connaît Orsay depuis plus longtemps que la plupart des professeurs ici. Il a été assistant en maths 2, comme normalien, en 1962. Il a connu Arsène dans la boue, par exemple, parce que on n'était pas ici, installé dans une belle pièce. Au départ, on était hébergé dans un bâtiment qui était consacré en principe à la chimie. On avait quelques petites pièces et l'accès, ben, ce n'était pas comme aujourd'hui. L'hiver, c'était la boue. Et il fallait prendre des bottes. C'était amusant. Hein. Oui, moi, il y avait déjà la moitié du bâtiment où nous sommes en ce moment, en 64. Ah ben, le Grand Amphi a été inauguré en 63.
Le grand amphi a été construit. J'ai l'impression que le bâtiment de mathématiques était en construction encore. Et le grand amphi, Malgrand s'en a gardé le souvenir, parce que TMP, c'était l'enseignement le plus gros d'Orsay. Mais je lui ai succédé. Ah oui. Oui. C'est une salle de 300 places. Oui. Et on n'avait pas de micro. Non. Non, on n'avait pas de micro, mais l'acoustique était bonne. Oui, parce que j'ai remplacé aussi Bernard Malgrange pendant quelques mois, parce que j'avais passé le premier trimestre à Princeton, il m'avait remplacé, je l'ai remplacé ensuite. Et bon, on a échangé des souvenirs, mais ça tue les mêmes. L'enseignement des mathématiques au tableau, les mathématiciens y tiennent, je crois. Et c'est très intéressant parce que les jeunes mathématiciens y reviennent. Et c'est penser, parler et écrire en même temps. Et ce n'est pas du tout la même chose quand on a PowerPoint ou des choses comme ça. Mais dans le Grand Amphi, c'était un peu spécial, parce qu'il y avait des très grands tableaux, et il fallait courir, hein. Il fallait écrire très gros, et il fallait se déplacer devant... Alors, l'amphi de TMP, ben, je ne sais pas si de ton temps, Supélec, ils étaient là. Oui, on avait les élèves des grandes écoles. Ils étaient là. C'était un public exigeant, mais intéressé. Oui, parce que moi j'ai le souvenir que l'amphi était à peu près plein avec les étudiants en mathématiques, en physique, et les étudiants de Supélec qui à ce moment-là venaient de Montrouge. Oui, hein? C'était un amphi à la fois... difficile à dire, on ne pouvait pas se permettre de faux pas, mais un amphi agréable en ce sens que on avait affaire à des gens intéressés par ce qu'on faisait. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Je crois qu'une des règles d'Orsay, c'était que tout le monde se collait au DEUG. C'était les deux premières années. Et aux approches de 68, nous avons eu, pour le coup, tous des amphithéâtres qui étaient fort difficiles à tenir. Et on n'en a pas trop parlé, mais c'était au point que notre collègue Poitou, dont j'aimerais que tu dises un petit mot en passant, j'ouvre une parenthèse sur Poitou. Je suis persuadé que c'est toi qui est à l'origine de la venue de Poitou, ici, essentiellement. Et tu as eu grandement raison, parce que Poitou, sous des dehors farfelus un peu, qui m'avait un peu trompé, a été un formidable doyen dans la période difficile de 68. Donc Poitou, qui avait aussi, comme tout le monde, quand il est venu un an après moi, je crois, des amphis de Doug, qui devaient être une centaine à peu près, je crois, c'est mon souvenir. Mmh. Et pour tenir son amphi, il apprenait ce qu'il appelait le trombinoscope, c'est-à-dire qu'il connaissait le nom de chaque étudiant et que s'il y en avait un qui faisait le pitre, il le convoquait au tableau et lui, en somme, le ridiculisait devant l'amphi, comme font couramment, je pense, ou faisaient des enseignants qui ont affaire à 30 élèves. Mais personnellement, je ne me suis jamais senti la mémoire suffisante des visages pour retenir les noms de 100 à 150 étudiants. Et, voilà, j'aimerais... qu'on en revienne à cette histoire d'équipe, je crois qu'on y était arrivé. Alors, comme l'a dit Kahan, elles expliquaient déjà, elles existaient implicitement avant qu'elles soient formalisées. Et pour moi, ça s'est passé de la manière suivante. Un jour, sans doute dans ton bureau, vers 69, 70, je ne sais pas, tu me dis, mais pourquoi
ne crées-tu pas une équipe de topologie ? Ma première réaction a été de me dire, mais c'est une idée complètement loufoque, pourquoi diable, puisque ça marche très bien, aller s'encombrer d'une structure administrative supplémentaire. Et puis on en est resté là, je ne me rappelle plus ce qui m'a fait changer d'avis, mais quelques mois ou peut-être même un an après, j'ai fait au CNRS une demande d'équipe associée donc au CNRS. Alors, si je regarde après coup, je vois que ça a eu des effets très positifs. Ça nous a aidés, je dirais, surtout pour ce qui est des invitations de mathématiciens étrangers. Encore que les plus utiles, tu les engageais c'était avant. Les professeurs associés de l'université, parce que nous avons réussi, c'était des postes qui duraient une année entière. Et ainsi, nous avons pu faire venir des gens comme Michel Kerver, qui est parti en Suisse ensuite, et Denis Sullivan, qui ensuite a passé quelques années à l'IFES, qui ont eu une influence extraordinaire sur la formation des jeunes topologues. Je voudrais dire aussi que j'estime que cette structure en équipe a eu une influence pas toujours positive sur la manière dont se sont effectués ensuite nos recrutements. Elle a suscité une espèce d'esprit de clocher et de patriotisme d'équipe auquel j'avoue avoir succombé, et je crois pouvoir dire tous les autres aussi. J'ai un exemple relatif à une autre équipe qui n'est pas la tienne, où on m'a dit après une élection qu'en somme, tout n'avait pas été dit sur le candidat en séance. Et je dois dire que chez nous, effectivement, on discutait beaucoup à l'intérieur de l'équipe de qui on allait présenter, et je pense que ça fait un peu entrer la politique, au mauvais sens du terme, dans notre méthode de recrutement. Qu'en penses-tu ? Je pense que, intellectuellement, la structure de laboratoire est préférable. Et d'ailleurs, nous étions un laboratoire pour l'université, alors que nous étions des équipes pour le CNRS. Mais comme je te l'ai dit et comme je te l'avais dit au départ, les équipes, elles recevaient des moyens du CNRS et tous ces moyens passaient à la bibliothèque. Hein? Je ne sais pas si tu t'en souviens, oui. Mais ça a été comme ça pour les trois premières équipes. Et puis, la convention n'a pas pu tenir lorsqu'il y a eu l'équipe de probabilité et statistique qui avait naturellement des besoins à satisfaire, qui n'étaient pas... Si on embrayait sur la bibliothèque, qui est, je crois, en grande partie ton œuvre, est-ce que je me trompe ? Non, je pense que c'est une œuvre collective, vraiment. C'est-à-dire que... Poitou ? Oui, Poitou, mais tous. C'est-à-dire c'est un lieu de travail. Il y avait beaucoup de monde qui travaillait à la bibliothèque. Et puis, c'était notre affaire. C'est-à-dire, la direction de la bibliothèque a longtemps été assumée par des mathématiciens. Et ça, c'était la doctrine de Poitou. Il préférait que la direction, ce soit une direction scientifique et pas une direction de bibliothèque au sens ordinaire. Mais au départ, oui, au départ, c'est purement accidentel. Et j'ai presque honte de dire comment s'est démarré.
Avant d'être à Orsay, j'étais à Montpellier. Et Montpellier avait la réputation d'être un endroit où il était difficile de faire des mathématiques. Ce n'était pas vrai, mais j'en ai profité. Et le CNRS a été très généreux pour moi au titre de ce qui s'appelait à ce moment-là les aides individuelles. C'est comme ça que j'ai pu au CNRS recruter comme secrétaire Josette Dumas. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir pas mal de bouquins dans mon bureau à Montpellier. Je comptais que Josette Dumas resterait à Montpellier et je comptais que les bouquins resteraient à Montpellier. Mais Josette Dumas est venue nous rejoindre à Orsay et pour les bouquins, je n'étais pas maître de les laisser à Montpellier. Il se trouvait que les bouquins m'ayant été affectés comme aide personnelle, il fallait que je les trimballe avec moi. Donc, ça a été le début de la bibliothèque. Ça a été, alors, naturellement, il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. Mais, bon, j'ai toujours eu un intérêt pour les bibliothèques universitaires. Et, bon, c'était une idée partagée, c'est-à-dire le peu de moyens que nous avions de l'université, on le consacrait à l'achat de livres. Et on a eu quelqu'un qui a joué un rôle magnifique là-dedans, c'est Jean Lefebvre, qui lui consultait tous les catalogues et toutes les possibilités d'achat, etc. Et puis ça s'est su assez vite qu'on s'intéressait à créer une bonne bibliothèque à Orsay. On a eu des legs. On a eu le leg d'une collection complète de comptes rendus par un médecin d'Orsay. On a eu le leg complet de Châtelet. Et on a eu aussi, dans le cinquième plan, une attribution de moyens qui était assez importante. C'était de l'ordre de 1 000 000 francs et on pouvait faire des choses avec. Donc, et puis, je dis, c'était vraiment l'affaire de tous les mathématiciens. Par exemple, le recollement, c'était les mathématiciens qui s'en chargeaient. Hein? Bon, je crois que ça ne s'est plus passé ensuite et ça se passe nulle part ailleurs. Mais enfin, on connaissait la bibliothèque. Et bon, le million du cinquième plan, il a fait 5 ans. Et en 68, non, en 70, on s'est trouvé vraiment en difficulté, on n'avait plus d'argent. Carton était déjà à Orsay, Choquet, il venait. Ils ont été mobilisés pour aller voir le président de l'époque, Pie Saint-Bonneau, pour attirer son attention sur la bibliothèque, et des moyens ont été donnés par l'université à la bibliothèque. Mais il fallait qu'on se débrouille autrement, et se débrouiller autrement, ça a été par le CNRS, celui qui s'occupait des mathématiques était à ce moment-là Merkourov, et on avait fait des petits calculs sur la meilleure manière de soutenir la bibliothèque. Et le meilleur moyen, c'était effectivement que le CNRS donne de l'argent par les équipes. Maintenant, tu as tout à fait raison. Scientifiquement, les équipes existaient déjà. Hein. Tu as parlé du recrutement des professeurs étrangers. Ben, vous avez été les pionniers en anthropologie. Oui. J'aimerais dire un mot, justement, de ce recrutement d'étrangers en anthropologie. D'abord, d'une manière générale, la période dont on parle était a posteriori une période assez faste. On avait des difficultés à obtenir des postes et de l'argent, mais on y arrivait. Et en fait, l'équipe de topologie est comme un arbre qui avait initialement 3 branches. Et ces 3 branches étaient tous des étrangers. Il y avait Poenaru, roumain naturalisé français. Il y avait Laurent Siebenmann, qui s'est illustré par la preuve de ce qu'on appelait la Hauptvermutung,
conjecture fondamentale de la topologie, qui remontait à l'époque de Poincaré. Et il y a eu Harold Rosenberg, qui est venu ici d'une manière cocasse. Je l'avais eu comme étudiant à New York en 1965. À cette époque-là, il me disait, mais pourquoi restes-tu en France avec ces traitements minables qu'on a là-bas? Regarde-moi, je suis assistant, je gagne plus que toi. Et je l'ai retrouvé là-bas 3 ans après, à Berkeley. Et il y avait la guerre du Vietnam. Il m'a dit, si je viens en France, est-ce que tu me trouveras un job? Je lui ai dit, je ne peux absolument rien te promettre, sinon que si tu viens, ben je ferai ce que je pourrais. Un beau jour de 70, je vois Rosenberg, qui n'avait pas envie d'être envoyé au Vietnam, débarquer dans mon bureau et qui me dit, tu m'as promis un job si je venais. Eh bien, le CNRS, j'ai retrouvé sa lettre, me disait qu'il n'avait pas de poste définitif, mais ils se sont débrouillés pour lui trouver un poste provisoire. Et c'est ainsi que, petit à petit, il s'est fixé à Orsay, a eu un poste de professeur associé dans la suite et a eu de très nombreux élèves qui se sont répartis ensuite, notamment à Dijon et un peu partout, et qui a un peu apporté avec lui une manière de s'occuper des doctorants qui n'était pas la même chez nous. Je ne dis pas que depuis le temps de mon bien-aimé patron Henri Cartan, qui vous laissait vous débrouiller complètement, les choses n'avaient pas changé, mais lui, Rosenberg, travaillait vraiment en collaboration avec ses étudiants, faisait des publications avec eux, et la suite a montré que c'était un mode de formation qui valait peut-être l'autre. Un jour, il m'a dit, mais ça c'est une parenthèse, j'ai un élève absolument formidable, il s'appelle Thurston. Et Thurston est effectivement resté un an à Paris. Ils ont fait une publication ensemble et je pense que Thurston était destiné à devenir le plus grand géomètre du XXe siècle, c'est mon opinion. Bon, enfin, ça, c'est un cas particulier. Ceci est pour vous expliquer comment, finalement, on avait des facilités pour grandir et aller de l'avant. Maintenant, pourquoi les 3 branches de l'équipe de topologie, au départ, étaient-elles toutes les 3 occupées par des étrangers? Eh bien, c'est parce que il y avait eu de très grands topologues en France, sans parler de Poincaré, qui est le fondateur de la topologie algébrique, après quoi il y avait eu un grand trou, et puis il y avait eu Eresmann à Strasbourg, il y avait eu Leray, évidemment, il y avait eu Henri Cartan, Jean-Pierre Serre, René Thom, et seulement, à ce moment-là, il ne faisait plus de la topologie. Eresmann avait quitté Strasbourg, il était à Paris, mais il s'intéressait aux catégories. Serre n'a plus fait de topologie après sa thèse, qui lui avait d'ailleurs valu la médaille Fields. Cartan faisait de nouveau de l'analyse, Serre donc de l'arithmétique, Thom, je crois, était déjà dans la théorie des catastrophes qui est à la limite de la topologie, et pendant ce temps-là, aux États-Unis, autour de gens comme Milner et Smale,
il y avait un bouillonnement extraordinaire de la topologie des variétés. Et comme moi-même, j'étais plongé dans des problèmes un peu spécifiques et que je n'étais pas capable, à moi tout seul, de faire une véritable école de topologie, comme il en existait en particulier en Angleterre, aux États-Unis. Il s'imposait de faire appel à des étrangers. Et bon, la suite a montré que l'arbre a eu beaucoup de ramures, dont l'autre sont devenues des branches maîtresses, comme l'Odenbach, par exemple. Voilà. Il y avait donc, je crois, une spécificité de la topologie en France à cette période-là, qui explique pourquoi on est parti au départ avec trois étrangers, dont d'ailleurs, mais ça c'est un détail, je crois, l'un s'est naturalisé, mais c'est un détail. Mais voilà ce que je voulais dire. Il y avait des recrutements d'étrangers dans d'autres secteurs. On a des harmoniques, on a eu Varopoulos, à peu près en même temps que Zibenmann. Et à ce moment-là, Varopoulos était grec et il est devenu français. Katznelson est resté une année, pas plus. Non. On a eu pas mal de visiteurs pour une année. Alors, il y avait deux éléments pour accrocher un petit peu l'intérêt. C'était le séminaire, qui a été, dans les premières années, nombreux, fréquentés et actifs avec de très bons exposés. Et puis le fait qu'on pouvait inviter beaucoup d'étrangers. Alors, on te cite Katznelson, mais on a eu Zygmund, on a eu Elias Stein, on a eu Calderon, tous les grands noms de l'analyse harmonique ont fait un petit séjour à Orsay. Et certains, c'était plus qu'un petit séjour. Elias Stein et Guido Weiss, c'était une année. Bon, ceux qui étaient dans l'équipe, les jeunes, ce qu'ils ont apprécié, c'était l'ouverture vers l'extérieur. C'était le fait qu'on se sentait dans le monde des mathématiques. On a eu des personnalités qui ont marqué l'équipe dans certaines directions. Varopoulos et Yves Meyer. Alors, à l'origine... Et Yves Meyer a été membre du département pendant des années. Oui, et Yves Meyer a été membre du département et il l'a quitté ensuite pour aller à Nantes. Il a trouvé qu'il y avait un petit peu des contraintes de l'enseignement excessives. Il n'est pas le seul. Hein? Il n'est pas le seul. Oui. C'est bien pour ça que je suis passé au CNRS en 1970. Oui. Enfin, moi, je ne peux pas dire, j'étais peut-être favorisé, mais l'enseignement ne m'a jamais pesé. Je me permets de dire que tu n'étais pas favorisé, mais tu étais capable de mener à la fois l'enseignement et la recherche, et aussi beaucoup de travail pour la Bible et d'autres travaux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Effectivement, j'étais très dispersé à l'époque, comme je continue à l'être d'ailleurs, et la dispersion est un défaut. Mais sur mes vieux jours, c'est pas mal. C'est-à-dire que ça permet d'avoir un regard sur pas mal de choses. Mais alors au départ, il y avait des problèmes pendant. Il y a des problèmes qui maintenant n'ont plus apparemment qu'une valeur historique. Et puis,
ça revient d'une certaine façon. Alors ça me plaît assez de voir comment les problèmes, une fois qu'ils sont résolus, ça a tendance à s'effacer. Peux-tu donner des exemples de ces problèmes ? Hein ? Peux-tu donner des exemples ? Oui. Deux exemples. Les fonctions qui opèrent sur les transformés de Fourier de fonctions sommables. Alors, il peut sembler que c'est une drôle de chose, mais Norman Wiener et Paul Lévy étaient arrivés à ces considérations pour des raisons différentes. Paul Lévy s'était analysé probabilité et Wiener s'était arithmétique et théorie du signal. Et ils ont créé un édifice qui porte quelquefois des drôles de noms. Par exemple, ça s'appelle en analyse Tauberian Theorems. Ah oui. Oui. Et bon, y a une histoire de ça. Hein. Ça me rappelle des souvenirs. Oui. Et alors. Bon, les problèmes, ils ont été tout à fait formalisés par Paul Lévy. Et je les ai découverts comme ça, parce que je fréquentais à cette époque la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré. Paul Lévy a posé deux problèmes, et qui étaient exactement dans l'esprit de Wiener. C'est-à-dire, on considère cette classe de fonctions, que j'appelle volontiers la classe de Wiener, parce que c'est Wiener qui a obtenu les résultats essentiels, poser les jalons, y compris, là ça ne va pas être compris forcément d'autre que par toi, partition de l'unité. Partition de l'unité, c'est un outil qui est constant dans la théorie des distributions de Laurent Schwartz. Mmh. L'outil des partitions de l'unité a été créé par Norbert Wiener pour l'étude. Hein? En quelle année? C'était à la fin des années 1920. Et alors, ça doit être déjà dans Tauberian Theorems, et puis c'est dans son livre sur l'analyse de Fourier. Et donc, les problèmes posés par Paul Lévy, elles s'expriment très facilement. Pour cette classe de fonctions, quels sont les changements de variables qui sont permis ? Et quelles sont les opérations sur les fonctions qui sont permises ? Par les deux bouts. Hein ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut mettre comme fonction par-dessous et qu'est-ce qu'on peut mettre comme fonction par-dessus ? Et ces deux problèmes ont été complètement résolus. Et ils ont été résolus pas uniquement par des Français, mais en grande partie par des Français. Et ça a été l'une des questions qui était à la mode, disons, dans les années 1960. Et cela d'autant plus que ça se raccordait à un autre problème, qui était un problème qui avait été posé par Laurent Schwartz à partir de préoccupations communes à Borner et à Wiener. Et c'était le problème de la synthèse spectrale selon Laurent Schwartz. Alors, c'est peut-être pas la peine que j'en parle ici, mais ce problème a été complètement résolu par Malliavin, après qu'il y a eu des amorces très intéressantes par Laurent Schwartz. Et c'était un petit peu dans l'esprit des choses qui s'étaient faites. Et, on était assez porté par un mouvement qui était en France et dans le monde. Et à partir du moment où les problèmes ont été résolus, certains ont pensé que l'analyse harmonique commutative était morte. Ça a été dit. Et alors il y a des gens qui ont réagi très fort au plan international, Carlson, il y a eu des médailles, il y a eu des médailles Fields dans ce domaine, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu une inflexion à ce moment-là vers d'autres
rapport, par exemple, la relation avec les probabilités, les relations avec la théorie des nombres, surtout les relations avec les équations aux dérivées partielles. Et c'est là que, justement, une structure de département était finalement plus adaptée qu'une structure en équipe. Je peux dire quand même comment la structure en équipe a démarré, c'est assez drôle. C'est un étranger, c'est Paul Kouzis, qui est un homme extrêmement original. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait comme mathématique, mais c'était assez peu connu. Et maintenant, ça commence à l'être. Mais lui, il avait pris un poste d'assistant à Paris. Il avait un drôle de tempérament. Quand il a été professeur, full professeur, à UCLA, à Los Angeles, on aurait pensé que c'était une situation enviable pour lui. Mais non, c'était une situation enviable pour sa femme qui est restée. Mais pour lui, Los Angeles, il appelait ça Disneyland on the Sea, et il a préféré aller à Montréal prendre un poste temporaire. Enfin, peu importe, je ne veux pas m'engager sur Paul Kouzis, sinon que c'est lui qui est à l'origine du séminaire d'analyse harmonique. En 62, il me dit, enfin, vous avez des analystes à Orsay, pas analyse harmonique, mais des analystes. Malgrange, Denis, bon, pourquoi est-ce que vous ne faites pas un séminaire? On a fait un séminaire, et il s'est avéré que ça a été immédiatement un succès, que ça a attiré. Hein? Et, bon, l'origine de ce séminaire, on n'aurait pas pensé tout seul. C'était vraiment l'idée de Paul Kouzis. Et à partir du séminaire, effectivement, ben, il y avait la pression du séminaire. Il fallait bien que ceux qui assistent au séminaire aient des aliments. Et les aliments, c'était des exposés faits par des Français, mais ce qu'ils appréciaient le plus, c'était des exposés faits par les étrangers, d'où ce dont nous parlions, les invitations d'étrangers. Il y a les travaux qu'ils font, il y a la réputation que Jean-Serf avait dans son domaine, qu'à cette époque j'avais dans le mien, qui faisait que quand on invitait, les gens appréciaient. On a pu avoir à Orsay une collection très remarquable de mathématiciens du monde entier. Hein. Mais sur quelle base? On les connaissait. C'était les mathématiciens avec qui on était en relation de travail. Si vous avez la patience, je peux vous raconter quelque chose d'amusant. Je ne peux plus dire l'année exacte, j'ai passé 2 mois à Boston et Dennis Sullivan était professeur au MIT. Et je lui faisais une vive propagande pour qu'il vienne passer au moins un an chez nous. Sullivan était vraiment très hésitant et un soir, il n'avait pas de babysitter pour garder son fils Michael, qui je crois d'ailleurs est devenu mathématicien. Et il me dit, écoute, si tu me fais le babysitter ce soir, je viens. Et il a passé un an à Orsay, après quoi, je crois bien, 2 ou 3 ans à l'IHS, de l'autre côté de l'Yvette, et son influence a été formidable. Oui. Au-delà de la tautologie, hein, oui. J'aurais une question à poser à Jean-Pierre. J'ai oublié la date exacte où tu as été président d'Orsay et si tu as été le premier ou le second. Non, j'étais... D'abord, ce n'est pas président d'Orsay, c'était président de l'Université Paris-Sud. Non, Orsay était le centre scientifique, mais il y avait la pharmacie à Châtenay-Malabry, il y avait la médecine au Kremlin-Bicêtre, il y avait du droit à Sceaux, il y avait 3 IUT, enfin bon,
c'est un ensemble assez riche. Alors, qui est-ce qui a conçu et créé l'université? C'est Boiteau. Qui est-ce qui aurait pu, de l'avis unanime, être le premier président? C'était Poitou. Mais Poitou n'a pas voulu, il a voulu retourner aux mathématiques, en attendant d'ailleurs, 10 ans après, de prendre la direction de l'école normale supérieure, ce qui n'était pas une sinécure. Et oui, il a été un grand directeur. Il a été un grand directeur, mais ça, on pourrait revenir sur cette période, parce qu'il y a... Bon, il a été un grand directeur, c'est incontestable. C'est sous son règne que s'est faite la fusion des deux écoles. Oui. Et la fusion des deux écoles, on ne peut pas dire qu'en mathématiques, ça a été très bon pour les filles. Hein. Mais enfin, bon, ça c'est une autre histoire. Et non, alors, après tout, elle a fait la recherche, y compris en dehors d'Orsay, de président possible. Il y a eu un conseil constitutif de l'Université de Paris-Sud qui a été présidé par Henri Carton. Mais c'était juste un poste de président d'un comité pour constituer l'université. Il y avait des candidats possibles dans tous les centres, mais finalement, c'est Pissamono qui a été le premier président. Il n'a pas tout à fait terminé son mandat, et en 75, et il est parti, il avait encore quelques mois à faire, et à ce moment-là, c'est moi qui suis devenu président, et moi non plus, je n'ai pas fait mon mandat complet, j'étais loin de faire les 5 ans, j'ai fait un peu plus de 3 ans. C'était déjà beaucoup. C'était pas mal. C'est très intéressant d'être président de l'université, et... j'ai trouvé que finalement, comme président de l'université à cette époque, je pouvais me passionner pour le métier beaucoup plus que je ne l'aurais fait aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, en principe, les universités ont plus de pouvoir puisqu'elles peuvent embaucher du personnel. Mais à l'époque, non. Le souci, ce n'était pas d'embaucher du personnel, c'était au contraire de faire intégrer comme personnel d'État tout le personnel qui avait été recruté de bric et de broc dans les laboratoires de l'université. C'était la fameuse question d'intégration des hauts statuts. Et ben, c'était très intéressant, après la mise en ordre qu'avait opéré Pissamono, et vraiment, il faut tirer son chapeau. Ça voulait dire que le président de l'université était le patron de tous ces gens-là. Et il fallait qu'il négocie avec le gouvernement pour que tous ces gens-là soient intégrés comme fonctionnaires ou assimilés au CNRS. Alors c'était intéressant. Puis c'était plus intéressant encore. Enfin, le principe de gestion, me semble-t-il, à cette époque, où on avait tous les moyens fournis par l'État, c'est-à-dire les locaux, les moyens de faire vivre les locaux, et surtout le personnel. Alors, c'est une bénédiction de ne pas avoir à recruter du personnel. Le travail, c'est de faire travailler les gens, les étudiants, les enseignants et le personnel le mieux possible. Et une petite conséquence de ça, quand même, parce que j'ai dû virer ma cutie là-dessus, il y avait un élément de tension, c'était le financement du restaurant du personnel. Et ma position de principe, c'était, on reçoit de l'argent pour l'enseignement et pour la recherche, il faut que ça soit dépensé pour l'enseignement et pour la recherche. Si on en dépense pour les restaurants universitaires, eh bien, on détourne l'argent de son but. C'était ça ma position de départ. Il a suffi de 15 jours pour que je m'aperçoive que non, ce n'était pas ça. Il y avait naturellement la pression du personnel, mais il y avait surtout le fait que la vie dans l'université, ce n'est pas fait simplement dans les amphis, dans les labos,
au moment où les gens sont à la paillasse, ou au moment où ils sont à leur bureau, les conversations. Les conversations, les échanges, c'est un rôle essentiel dans la vie universitaire et scientifique. Eh bien, si ça se fait dans les restaurants, pourquoi pas? Dans tous les labos, il y a le thé. Et le thé joue un rôle tout à fait important dans la vie de l'établissement. Donc, voilà, ma cutie a viré. Il y avait en plus à faire payer le CNRS, il y avait en plus à obtenir des moyens du gouvernement. Mais, bon, je passe là-dessus parce que l'expérience de la présidente de l'université était peut-être très riche. C'est l'occasion de visiter les labos de l'université. Et bon, je trouvais que ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué surtout parce que je voulais continuer à faire des maths pendant les week-ends. Mais j'ai trouvé ça passionnant. Eh bien, je peux vous dire tout de suite une chose. Je suis venu à pied de la gare et je me suis dit, si Poitou était encore à la tête d'Orsay, eh bien, les arbres et tous les jardins seraient mieux tenus. Alors, oui, on avait un collègue qui était venu de Montpellier en même temps que moi, c'était Rodinot Zeran, bon, il était botaniste, mais sa chaire s'appelait « Amélioration des plantes ». Et Poitou lui a fait pas mal confiance et il l'a beaucoup utilisé. Je ne sais pas, quand le bois de pin, par exemple, était en train de disparaître au voisinage là, du bâtiment qu'on avait construit pour la restauration. Et il a été sauvé. Il fallait couper des pins, il fallait faire un étang, et puis le truc a été sauvé. Mais Poitou a toujours eu une grande attention pour l'aménagement et l'entretien du patrimoine végétal de l'université qui est étendu. Mais enfin, ça s'est enrichi par une participation scientifique consciente. Et alors en 68, oui. En 68, comme partout, il y a eu quelquefois un certain infantilisme de ceux qui portaient la contestation et la révolte. À la fois, ils avaient des choses extrêmement intéressantes et judicieuses à dire et à faire, et puis, bon, de temps en temps, c'était un petit peu infantile. Et l'infantilisme, ça a été un peu de ravager les fleurs et les parterres de fleurs, et ces trucs-là. Bon, alors, Poitou, n'était pas content de ça. C'était une époque où il était très facile d'obtenir des vigiles auprès du gouvernement. Et il a été reçu, c'est lui qui m'a raconté l'histoire, donc je pense que c'est correct. Il a été reçu par Edgar Faure, qui était le ministre de l'Éducation nationale à cette époque, et qui a beaucoup cédé aux universités à ce moment-là. Alors, Edgar Faure était d'accord qu'étant donné la superficie du terrain d'Orsay, sa constitution, l'absence de murs, etc., il fallait des vigiles. Et Poitou a chiffré le nombre de vigiles, un nombre assez important. Il a fait valoir à Edgar Faure qu'étant donné le climat à Orsay, il serait préférable d'appeler ces vigiles des jardiniers. Alors Edgar Faure sourit, et il a compris la manœuvre, et c'est des postes de jardiniers qui ont été créés. Naturellement, l'idée c'était que ces jardiniers c'était des vigiles. Maintenant, Poitou a recruté des jardiniers. Et en ce qui concerne, disons, le maintien de l'ordre à Orsay, ben, les jardiniers ont été beaucoup plus efficaces que les vigiles. Parce que quand les fleurs étaient piétinées, ils remettaient des fleurs. Quand les plates-bandes étaient ravagées, ils les refaisaient. Ça faisait partie des consignes. Ben, finalement,
c'était clair que pour tous ceux qui étaient les apôtres du travail à la main, hein, il y avait des gens qui travaillaient à la main pour planter des fleurs, etc., que ça devenait un peu ridicule de ravager ce travail-là. Donc, voilà, ça a été un succès, mais c'était dans le style de Poitou. Voilà, il fallait maintenir une bonne activité, et en maintenant une bonne activité, maintenir un bon esprit. Alors, il y a un épisode que je vous ai raconté, je saisis l'occasion, parce que Poitou n'y était pour rien là-dedans, mais c'est pour la bibliothèque. Parce que, à ce moment-là, le grand amphi était de niveau avec le second étage, et tu te souviens qu'on allait directement dans le grand amphi, et que du grand amphi, on pouvait aller directement au deuxième étage, donc directement à la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'était réservé aux chercheurs. Hein? Bon, alors, dans l'ambiance de l'époque, ben, c'était contraire à la démocratie la plus élémentaire, donc il y a eu un mouvement, à un moment, organisé, pour aller prendre possession de la bibliothèque de mathématiques. Mais, d'abord, dans les meneurs de ce mouvement, il y avait des faux meneurs, que je connais bien, je ne veux pas dire leur nom, hein, mais je veux dire, ils étaient beaucoup plus attachés à la bibliothèque qu'à l'idée de la ravager. Donc, ils étaient tout prêts à avoir des chemins de traverse. Et puis, il y a eu un rôle décisif. La bibliothèque s'appelle la bibliothèque Jacques Adamar, et c'est justifié par la structure de la stature de Jacques Adamar comme mathématicien. Mais il se trouve que, à cette époque, en 68, sa fille, Jacqueline Adamar, qui était auparavant à la physique nucléaire, a été affectée à la bibliothèque. Jacqueline Adamar, à l'arrivée de ces jeunes gens, s'est couché au travers de la porte et a dit « Si vous voulez entrer dans la bibliothèque, vous passerez sur mon corps. » Et avec les faux meneurs, ça a parfaitement marché. Personne n'est entré dans la bibliothèque. Alors ça indique quand même un petit peu le climat d'Orsay. C'était un 68 assez civilisé. Oui, je peux ajouter, mais tu le sais sûrement aussi, que Poitou avait un rhume des foins très grave. Et le pic de cette allergie, eh bien, se produisait régulièrement tous les ans au mois de mai. Et c'était au point qu'il partait dans les Alpes, d'où un jour, entre parenthèses, il m'a téléphoné en me disant, en me promenant, j'ai trouvé un drôle de champignon qu'il a commencé à me décrire, et je lui ai dit, c'est des morilles, mange-les. Bien. Alors, cette année-là, il ne pouvait pas partir au mois de mai, mais il s'est enfermé dans son bureau avec des tas de protections contre les pollens, et, eh bien, comme a dit Jean-Pierre, 68 ici a été assez civilisé pour que les étudiants respectent ça, y compris les plus excités. Et ça lui fait une espèce de sanctuaire qui lui a été extrêmement utile pour mener sa barque et celle d'Orsay. Il est certain que le travail du mathématicien il y a des mathématiciens qui écrivent beaucoup. Il y a des mathématiciens qui écrivent des milliers de pages. Donc, sans doute, il leur faut le temps d'écrire. Hein. Mais la plupart des mathématiciens conversent, parlent entre eux, et c'est en parlant à d'autres, on parle à ceux avec lesquels on a le même langage convenu, souvent, qu'on avance. Et ça doit exister un peu dans toutes les disciplines, mais
Dans toutes les disciplines expérimentales ou d'observation, la référence, c'est quand même la relation au réel. Et pour les mathématiciens, certains vont dire que c'est la relation avec le réel mathématique. Et certains vont dire que le réel mathématique est plus réel que n'importe quelle réalisation de ce réel dans la vie que nous connaissons. Alors si je parle comme ça, ça signifie que je ne suis pas platonicien et la quasi-totalité des mathématiciens sont platoniciens. Oui, moi compris. Hein ? Moi compris. Oui, oui. Mais on est forcément comme mathématicien platonicien dans son métier. C'est-à-dire quand on fait des mathématiques, on n'est pas libre d'inventer ce qu'on veut. Hein ? On a devant soi des objets de réflexion. Et ces objets de réflexion, alors, est-ce qu'ils sont issus du monde des idées ? Est-ce qu'ils sont issus de la pratique humaine transformée par les mathématiciens ? Moi, je pense que ça vient de la pratique humaine transformée par des mathématiciens. Je vais prendre un seul exemple, si tu veux, mais c'est l'exemple dont je rabats les oreilles ces temps-ci. Une sphère, qu'est-ce que c'est ? Une sphère, tout le monde connaît la définition avec le centre et le rayon. Hein ? C'est la définition d'Euclide, il n'y a rien qui soit plus simple. Hein ? Et puis, des sphères, les enfants en connaissent, il y a les ballons, il y a les bulles de savon, il y a l'écorce d'une orange, tout ça c'est des sphères. Mais oui, mais les sphères qu'on voit, qu'on manipule, qu'on pèse, elles n'ont jamais de centre. On ne voit jamais le centre. Donc, la définition mathématique est une pure abstraction. Alors, certains pourront dire, oui, mais la sphère des mathématiciens, elle existe de toute façon dans le monde des idées. Il suffisait de sortir de la caverne de Platon et on rencontrait la sphère définie par son centre, son rayon. Mais mon hypothèse, c'est non. C'est qu'il a fallu une élaboration intellectuelle magnifique pour arriver à cette définition de la sphère, grâce à laquelle, effectivement, on peut avoir toutes les propriétés de la sphère, les propriétés angulaires, les propriétés métriques, les propriétés de courbure, on peut les avoir à partir de cette définition-là, beaucoup, beaucoup mieux que si on disait « Ah ben c'est une surface, quand on met la main autour, on éprouve toujours la même impression ». Alors, Jean-Pierre vient de montrer que, comme la plupart des mathématiciens, il est en même temps philosophe. Ce n'est pas mon cas. Et je crois que je suis une exception sur ce plan. Mais puisque tu as parlé de sphère, je te demanderai instamment de rester tout à l'heure où il est prévu que je parle un peu de sphère au tableau. Très bien. Très bien. Tout à fait. Très bien. D'une autre façon. Ceci dit, je crois que les Américains, et pas seulement eux, distinguent deux sortes de mathématiciens. Il y a les problem solvers, ceux qui résolvent des problèmes posés depuis plus ou moins longtemps. Et je ne sais plus très bien comment ils appellent les autres, mais en gros, ce sont ceux qui bâtissent des théories. D'une certaine façon, et justement l'exemple dont tu parlais tout à l'heure entre nous de Grothendieck montre que justement, si on bâtit une théorie, ce n'est pas pour elle-même, mais pour qu'elle résolve des problèmes. J'avais entendu un jour, dans une commission, Verdier, classé, il avait à comparer deux mathématiciens et il a eu une formule dont je vais essayer de me souvenir. Il disait X est une brillante machine intellectuelle et Y
et celui, d'autre part, qui travaille de façon obsessionnelle. J'avais trouvé la formule jolie. Je ne me rappelle plus du tout qui comparait de cette façon-là. Non, mais je pense que l'obsession, elle est un peu inséparable du travail scientifique, non? Enfin, pour les mathématiques, je crois que c'est clair. L'obsession, c'est un moyen de faire travailler le subconscient sans trop s'investir consciemment. Mais alors, il faut mettre les machines en route. Donc, je ne vois pas de contradiction entre machine intellectuelle et obsession. Si tu ne mets pas la machine en route, l'obsession, elle va tourner à vide. Peut-être qu'il y a simplement une part de conscience plus grande chez l'un que chez l'autre. Ah, peut-être, oui. Mais oui. Oui. Je crois que Serre m'a dit un jour que beaucoup d'idées lui venaient la nuit. Oui. Oui, bon, et... ça signifie qu'il a mis la machine en route par travail, et puis qu'ensuite la machine, elle travaille. Enfin, c'est... Les mathématiciens ont quelquefois écrit sur la psychologie de l'invention. Poincaré et la psychologie de l'invention, c'est Adamard. Adamard? Oui, la psychologie de l'invention, c'est un article qu'il a fait quand il était aux États-Unis. Ah, je connais. Oui. Bon, mais tout le monde connaît l'histoire de Poincaré. Poincaré et la marche d'autobus, c'est ça. Oui. Et Villani, dans son livre, a une autre formule que j'aime bien, la ligne directe. C'est-à-dire quelque chose qui arrive comme ça, tout à coup, ça la ligne directe. Oui, oui. Et ça m'est arrivé une fois. Oui. Je rédige normalement très lentement, et sur une démonstration particulièrement difficile, j'ai écrit un jour 10 lignes qui venaient, je ne sais pas d'où, je crois qu'on est obligé de dire de l'inconscient. Non, mais... Même quand je travaille maintenant, à bientôt 89 ans, je suis quand même moins obsédé que je l'étais par les questions auxquelles je m'intéresse. Oui, moi maintenant je ne fais plus beaucoup de mathématiques, mais c'est... Oh, c'est pas vrai. Comment ? C'est pas vrai ce que tu dis. Non, mais ce qui m'amuse, c'est que j'ai éprouvé une grande joie, justement, par... très souvent, je m'oriente de travers. Hein? C'est-à-dire, je cherche à démontrer quelque chose, c'est pas vrai, et je démontre le contraire. Hein? À force de réfléchir, par exemple... en pensant qu'une hypothèse est fausse, il arrive qu'on puisse montrer que l'hypothèse est vraie. Hein. Et là, je croyais savoir que la méthode que j'avais ne pouvait pas aboutir au résultat. Hein. Il suffisait que j'aie une bonne position dans le fauteuil électrique pour que ça se révèle tout d'un coup. Il y avait juste une propriété évidente à mettre en évidence. Et bon, ça fait plaisir quand ça arrive. Il y a une autre chose qui arrive souvent, c'est qu'on croit démontrer aussi bien une propriété que son contraire. Et c'est une situation que je trouve très agréable parce qu'on est forcé à ce moment-là de voir que l'une au moins est fausse. Ah oui. Oui. Donc on... C'est une situation où on sait qu'on peut avancer. Ah oui. Oui, en fait, quand on se sent coincé, c'est psychologiquement un peu désagréable, mais c'est une bonne condition pour avancer. Hein. Parce que quand on est coincé, il y a une faute quelque part, il faut la découvrir. Ah. Oui. Ça me fait penser à une expérience que j'ai et qui n'est pas l'expérience de la plupart des mathématiciens, mais ça a à voir un peu avec le travail que je faisais à Orsay. C'est la correction des copies. La correction des copies est considérée universellement comme
une charge pénible. Hein. Et comment l'alléger, comment aboutir à passer peu de temps et que ce soit efficace, tout le monde passe par là. Hein. Mais moi j'ai été inspiré par mon professeur de taupe, qui a été d'ailleurs le professeur de taupe de Poitou, qui a été le professeur de taupe de Lacombe, qui a été le professeur de taupe de Hervé. Et qui s'appelait Périchet. Hein? Et Périchet, c'était un dompteur, donc son écurie marchait bien. Hein? Mais moi, il m'a impressionné parce que c'était un bourreau de travail. On était une petite taupe, hein, on était une trentaine. Où ça ? Henri IV. Henri IV, à ce moment-là, n'était pas réputé pour la formation scientifique. Et bon, il faisait composer le matin à 8 heures. Il prenait les copies à 10 heures. Il allait en vélo rue Blomet où il habitait. Il revenait avec son vélo et les copies corrigées qu'il nous remettait à 2 heures l'après-midi. Hmm? Alors, ben, il n'y a rien de tel pour obtenir la considération des élèves. Hein? Surtout que les corrections, il y avait... Moi, je me rappelle une correction, j'ai droit à 10 lignes de lui sur la copie. Alors, je me suis dit, ça a été permanent quand j'ai eu à corriger des copies. Les copies, il faut les corriger vite et bien. Et l'idée de les corriger vite est finalement assez fructueuse. Et alors, corriger vite, ça ne veut pas dire corriger mal, hein, mais ça veut dire avoir l'œil méchant. Hein? L'œil méchant. Hein? Ça signifie, la première chose pour corriger, c'est de trouver les fautes. Hein? Et trouver les fautes, ben, si on est méchant, on les trouve plus facilement que si on est bienveillant. Hein. Donc, pour corriger les copies, ma première idée, c'est d'être méchant. Et puis, ma seconde est tout à fait différente. C'est-à-dire, il y a des copies qui sont écrites, c'est à la main, là. Alors, c'est de la bougie pour les chats. C'est laid. Il y a plein de fautes d'orthographe. Bon... Alors, ça me donne une idée de la personne. Fausse, peut-être, mais ça me donne une idée. Il y en a d'autres avec une très belle écriture, des phrases bien balancées, des petites figures, pas des grandes figures, mais des petites figures qui illustrent les résultats des problèmes de géométrie. Alors, il y a une jouissance à regarder un travail bien fait. Et... Parmi les copies, il y a des copies bien faites. Hein. Alors, j'ai observé que je ne suis pas seul à éprouver du plaisir à lire des bonnes copies. Ma femme, Agnès, elle corrigeait des copies de candidats à l'agrégation d'anglais. Et elle y passait un temps terrible. Mais elle était joyeuse quand elle arrivait à quelque chose de très beau. Et ça arrive. Et dans le... Alors là, ça, je reviens en recet quand même. Parce que tu as évoqué les difficultés de l'enseignement, oui. Mais à Orsay, on avait quand même à cette époque, les années 60, une joie. C'était d'avoir de bons étudiants en ayant des étudiants très nombreux. Il y avait un afflux d'étudiants. Mais l'afflux des étudiants dans la faculté des sciences, ça n'était pas accompagné d'un prélèvement systématique des meilleurs par les classes préparatoires. De sorte qu'on a eu un mélange d'étudiants, parmi lesquels il y en avait de très très bons, et qui sont devenus nos collègues, et qui étaient entièrement formés par l'université. Alors... Je ne sais pas si ça existe toujours, ça. Mais maintenant, les classes préparatoires ont pris une telle importance qu'il faut vraiment être
obstiné pour faire des études universitaires plutôt que rentrer dans la classe préparatoire. Et donc il y a une perte là pour les universités, c'est clair. Et puis alors, comme tu le disais tout à l'heure, hein, le travail en équipe pour l'enseignement, ça c'était tout à fait important. On avait vraiment des équipes constituées pour chaque certificat. Hein. Et moi j'ai participé. On avait d'excellents. Comment? D'excellents assistants, ah oui. Dont beaucoup ah oui. sont devenus ah oui, oui. maîtres de conférences et professeurs. Oui, oui. Oui, ils ont beaucoup essaimé. Bon. Assistants et assistantes, bien sûr. Comment? Assistants et assistantes. Et assistantes. Par exemple, Yvette Amis, elle a été maître assistante ici avant de devenir présidente de la Société mathématique de France, après toi et moi d'ailleurs. Et. Non, j'ai parlé de Wendy tout à l'heure, mais Jean-Jacques Payan, qui est devenu président de l'université Joseph Fourier à Grenoble, avant de passer, je crois, comme conseiller scientifique à Renault, il avait fait son apprentissage de l'enseignement avec Jacques Denis, il faisait équipe avec Denis. Et, nous, on avait des équipes vraiment bien constituées et alors il y a eu des périodes de conflit à la suite de 68, mais même dans les périodes de conflit, il y avait un respect mutuel dans les différentes catégories. C'est assez intéressant. Et, la même chose, il y avait des périodes de conflit avec les étudiants. Ça, est-ce que c'était l'initiative de Poitou ou en dehors? Mais je sais qu'on avait associé les étudiants au jury d'examen. Alors, ils venaient au moment de la délibération de l'écrit et ils faisaient leurs observations. Et on discutait avec eux. Poitou avait également, alors là c'était une initiative comme doyen, introduit la représentation étudiante dans l'Assemblée et dans le Conseil de faculté. Mais bon, ça anticipait d'autres choses, mais ça explique un petit peu aussi que le climat à Orsay, même quand il était tendu, c'était pas le climat de la Halle aux Vins. Hein? Ça a toujours été tout à fait différent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des migrations, celle de Cartan et celle de Choquet, qui venaient chercher un peu de calme à Orsay. Et en plus, à Paris, il y a eu le déchirement Paris 6, Paris 7, oui. Et oui. qui n'a pas eu d'influence oui. ici. Et comme tu l'as dit, même... il y avait peut-être un ou deux parmi nos assistants qui étaient un peu enragés, disons. Mais même avec eux, les discussions gardaient toujours un petit côté d'humour. Oui. Fallait pas se laisser aller au... fallait pas que ça fasse trop mal à l'estomac, voilà. Et... bon, il y aurait beaucoup plus à dire sur l'enseignement, mais je ne sais pas si c'est exactement le lieu. Mais les mathématiques sont beaucoup plus liées à leur enseignement que les autres domaines scientifiques. Hein? Mais ça tout simplement parce qu'il y a des mathématiques dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire, partout. Est-ce qu'il en reste vraiment beaucoup à ce jour? Je suis un peu sceptique. Non, mais en fait... Non, mais il en reste comme horaire, il en reste comme programme. Mais non, il y a des campagnes qui sont menées pour l'abandon complet des mathématiques, par exemple au profit de l'informatique. Et en ce moment, les défenseurs de l'enseignement des mathématiques, y compris, par exemple, de la notion de démonstration. On les trouve chez les physiciens d'abord. Et là,
y a un très grand changement dans les rapports entre mathématiques et physique, et entre mathématiciens et physiciens, depuis l'époque de nos débuts. Tu te souviens que à Orsay, ce n'était pas trop sensible, parce qu'on s'entendait bien avec les physiciens. Mais ça n'empêche qu'en gros, il y avait un divorce entre mathématiques et physique, en France. Hein? Certains disaient que les mathématiques s'étaient tellement développées qu'elles apporteraient à la physique, mais que la physique ne pouvait plus rien apporter aux mathématiques. Alors justement, en ce moment, on est quand même dans une période qui est extrêmement intéressante par rapport aux idées dominantes dans notre jeunesse. Ben, les choses ont changé. Les rapports entre mathématiques et physique sont maintenant très étroits, acceptés, et les rapports entre mathématiciens et physiciens, ben, ça suit, hein, forcément. Et puis, l'informatique est venue là, et même si toi et moi, on n'est pas tellement des usagers de l'informatique autre que pour des questions de courrier ou des choses comme ça, l'informatique comme science a maintenant une influence tout à fait importante sur les mathématiques, mais pas seulement comme outil, hein, mais elle a amené à poser des problèmes mathématiques. Il y a une branche des mathématiques qui paraissait morte quand on était jeune, en France. C'était la logique. Oui. Je l'ai entendu dire, oui. 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 J'ai entendu dire aussi de beaucoup d'autres disciplines successivement. Oui, non, mais si tu veux. C'était assez curieux parce que ça a été dit à la veille des travaux de Paul Cohen sur l'hypothèse de continu qui ont été un renouvellement du sujet. Mais dans les renouvellements du sujet, on voit surtout que on se pose à la suite de l'informatique des problèmes qu'on ne pouvait pas se poser avant. Les problèmes sur la complexité, les fameux problèmes P et NP de la logique, qui viennent exactement du traitement informatique. L'intérêt pour les nombres premiers, c'est naturellement les grands travaux de Gauss, de Riemann et la suite. Bon, les nombres premiers, c'est un domaine absolument merveilleux des mathématiques. Mais ça n'empêche que l'intérêt maintenant en général pour les nombres premiers, ça vient en grande partie du fait que les nombres premiers et les propriétés de divisibilité sont essentielles en cryptologie. De Mazure, qui a été professeur ici, a été ensuite professeur à l'École polytechnique. Il a été l'un des fleurons et l'un des animateurs de Bourbaki à son époque. Bon, il a collaboré aux œuvres de Bourbaki. Et puis, après l'École polytechnique, il a fait un cours d'algèbre. Et le cours d'algèbre de Mazure, il n'y a rien qui soit moins bourbakiste que ce cours d'algèbre. Il part des préoccupations actuelles, il part de la cryptographie, et puis il dégage toutes les idées. Donc on est tous sensibles à ce changement autour des mathématiques. Le changement des physiciens, les biologistes s'y mettent et disent nous on a besoin des mathématiques, qu'on les utilise et on a des problèmes à vous poser. Hier encore à l'Académie, c'était le cas. Mais il y a l'informatique. Alors, les relations entre mathématiques et informatique sont de relation très, très curieuses, parce que les informaticiens disent souvent qu'ils sont persécutés par les mathématiciens qui ne veulent pas les accueillir, leur faire leur place, etc. Mais enfin, au CNRS, l'informatique est apparue au sein de la commission de mathématiques avant que les probabilités ne soient dans la section de mathématiques. Les probabilités étaient en physique théorique
et l'informatique était en mathématiques. Et à la suite de Jacques-Louis Lyon, ce qui avait fait beaucoup pour la promotion de l'informatique, le président de la section de mathématiques du CNRS a été un informaticien. Bon, les mathématiciens n'ont pas appelé des coupables en ce qui concerne les rapports avec l'informatique. Ils ne les ont pas brimés, non. Mais en ce moment, l'informatique est triomphante dans l'opinion publique, dans l'opinion scientifique, etc. Et heureusement, les informaticiens ne sont pas ennemis des mathématiques, au contraire. Hein. Mais enfin, l'appui mutuel est une chose à bien travailler. Eh bien, je m'instruis, alors je t'écoute. Ah oui.